Le sport a cela d'unique, il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. A travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast, laisse-moi te raconter. Comme on l'a vu précédemment, Ali est revenu sur les rings après avoir gagné son procès qui lui avait fait perdre sa ceinture de champion du monde. Il a combattu contre Joe, mais au terme d'un combat mythique, il a perdu. Une offense pour celui qui se dit le plus grand de tous les temps. Il est désormais temps de remettre les pendules à l'heure et de reprendre cette ceinture de champion du monde. Laisse-moi te raconter. Mohamed Ali, partie 3. Rumble in the Jungle. En boxe, pour devenir ou redevenir champion du monde, il faut battre les adversaires les plus forts pour être désigné challenger numéro 1 et ainsi avoir le droit de défier le champion du monde en titre. C'est ce qu'a prévu Ali. Depuis sa défaite contre Joe, il ne rêve que de le recombattre pour récupérer sa ceinture mondiale. Son programme est intense. Entre les combats officiels et les combats d'exhibition, les adversaires s'enchaînent, la victoire aussi. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que deux événements viennent perturber le programme d'Ali. D'une part, il y a cette défaite absolument inattendue contre Ken, et d'autre part, il y a ce combat entre Joe et George qui surprend tout le monde. Je vous explique tout cela. Ali contre Ken, une défaite que notre champion n'avait pas vu arriver. Ali a négligé ses entraînements ces derniers temps et il arrive en surpoids pour ce combat. Ken, lui, est plus léger, plus affûté. Il a également pris conseil auprès de Joe pour savoir comment battre Ali. Au deuxième round, Ken, d'un crochet du droit, brise la mâchoire d'Ali. Mais ce dernier ne veut abandonner et poursuit le combat. Il ira jusqu'à son terme, c'est-à-dire le douzième round. La décision des juges est partagée, mais c'est finalement Ken qui sera déclaré vainqueur. Grosse contre-performance pour Ali. Il lui faudra donc combattre et battre Ken pour ensuite pouvoir prétendre aller reconquérir le titre de champion du monde. Et puis, il y a ce combat entre l'actuel champion du monde, Joe, et le nouveau phénomène des poids lourds, George. Si Joe avait la réputation de frapper fort, alors que dire de George C'est un cogneur, et même le cogneur, des frappes tellement puissantes que ses adversaires ne lui résistent pas longtemps. Rares sont ceux qui lui tiennent tête plus de deux rounds, et Joe va l'apprendre à ses dépens. Alors que tout le monde voit Joe gagner ce combat, Angelo, l'entraîneur d'Ali, pressent qu'il ne gagnera pas contre un tel cogneur. Aucun des deux boxeurs n'a encore perdu le moindre match de boxe, que des victoires. Une superbe affiche. Le combat débute. Pendant plus d'une minute, il ne se passe pas grand-chose. Les boxeurs se jugent. Puis, Georges déclenche un uppercut du droit et Joe tombe. Le public est stupéfait. Au lieu de prendre son temps pour absorber le coup, il se relève presque immédiatement. Quelle erreur George attend dans son coin que le combat reprenne. Il semble si facile. Quand le combat reprend, George se remet à cogner sur son adversaire comme on cognerait dans un sac de frappe. Joe repart au tapis une deuxième fois. Encore un uppercut du droit. Puis une troisième fois. Trois fois en un round, c'est énorme. Heureusement pour Joe que la règle des trois KO en un round a été abolie, sinon il aurait perdu le combat immédiatement. Le plus drôle dans tout ça, c'est que George, qui paraît si puissant, si supérieur à Joe, n'en menait pas large à chaque fois qu'il mettait son adversaire au sol. Il dira plus tard dans son autobiographie :« Quand je l'ai fait tomber la première fois, je chiais dans mon froc. Je me suis dit, mec, tu vas avoir de gros problèmes. Joe va être vraiment énervé maintenant. Et à chaque no down, je pensais il faut que l'arbitre arrête le combat, sinon Joe va finir par me tuer sur place. Pourtant, George est bien au-dessus de Joe. » et il ne faudra pas longtemps pour que le combat s'arrête. La deuxième reprise est déjà entamée, que George a de nouveau envoyé son adversaire deux fois de plus au tapis. Puis, un crochet du droit fait décoller Joe, qui se retrouve pour la sixième fois au sol, la bouche en sang. L'arbitre décide de mettre fin au match. George est déclaré champion du monde. La victoire de George signifie que si Ali veut récupérer sa ceinture de champion du monde, il lui faudra, en plus de battre Joe, battre George. Le cadre est posé. Trois adversaires à battre au lieu d'un seul. Ali décide de commencer par affronter Ken. Les deux hommes se sont bien préparés, surtout Ali. Le combat va à son terme et les juges donnent Ali gagnant. Deuxième combat. Ali contre Joe. Le retour. Voilà presque trois ans qu'Ali a perdu contre Joe à New York, le fameux combat du siècle. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Ali n'entend pas perdre à nouveau. Il s'est bien préparé. À vrai dire, le combat, bien qu'il ait rapporté plus de 10 millions de dollars, alors qu'il ne décernerait pas de titre mondial, ne tient pas toutes ses promesses. Un combat presque quelconque qui verra la victoire d'Ali au point, mais qui n'aura convaincu personne. Le vrai combat, ce sera celui d'Ali contre George. Ce combat, surnommé Rumble in the Jungle, est l'un des plus connus dans l'histoire de la boxe. Tendez bien les oreilles, je m'en vais vous le compter. George, actuel champion du monde, en est à 40 victoires, dont 37 par KO. Son punch n'est plus à démontrer. Il sera d'ailleurs considéré comme l'un des puncheurs les plus puissants de l'histoire. Il a été sacré champion olympique au JO de 68 à Mexico. Passant professionnel, il se fait vite une réputation. Rendez-vous compte, en 1969, il fit treize combats. C'est énorme. En même temps, les combats ne durent pas longtemps avec lui. Sur ces treize combats qu'il a tous remportés, il en finit onze avant la limite. L'année suivante, il en fait douze. Encore une fois qu'ils remportent tous, dont 11 par KO. Les médias donnent gagnant Georges, plus jeune, plus fort. Le combat a été proposé à plusieurs pays, mais c'est le Zahir qui rafle la mise. Mobutu, qui règne à la tête de ce pays, a dépensé plus de 10 millions de dollars pour accueillir le combat. 10 millions de dollars, c'est le budget annuel de l'éducation, de la culture et de la ville au Zahir. Le but du despote est que le monde entier puisse désormais situer le Zahir sur une carte du monde. Le promoteur de ce combat, Don, a organisé un véritable événement à la gloire des arts des diasporas africaines. Au programme, des chanteurs parmi les plus connus du moment, Bibi King, James Brown, Lord Price ou encore The Spinners, mais surtout le combat Ali George. Comme à son habitude, Ali utilise les médias pour en faire des tonnes. En conférence de presse, il fait étalage de tout son talent d'orateur. Je suis mauvais, j'ai fait quelque chose de nouveau pour ce combat. J'ai lutté avec un alligator. Je me suis battu contre une baleine. J'ai passé les menottes à un éclair et emprisonné la foudre. La semaine dernière encore, j'ai tué un rocher, blessé une pierre, fait hospitaliser une brique. Je suis si méchant que je rends la médecine malade. La nuit dernière, j'ai éteint la lumière dans ma chambre. J'étais dans mon lit avant que la chambre soit dans le noir. Ali se fait passer pour le défenseur du monde noir. Il rassemble les foules. Pour commencer, pour les aérois, Georges est un américain alors qu'Ali est avant tout un noir. Il s'habille comme les Africains, il porte le wax, tandis que Georges est habillé comme un occidental avec sa salopette en jean et sa casquette. Ensuite, Georges, ne sachant pas que le berger allemand était associé aux colonisations dans le but d'effrayer les populations, avait amené le sien. Sa descente de l'avion, le tenant en laisse, avait fait beaucoup parler. Et puis, Ali sort il va à la rencontre des habitants. Il court de longues heures dans les rues quand Georges reste enfermé dans son hôtel. Bref, tout un peuple derrière Ali et surtout contre Georges. Ainsi, dès qu'Ali fait son apparition, les gens crient ⁇ Ali, beau Ali dit à tout bout de champ qu'il va danser sur le ring, que Georges n'arrivera pas à le toucher car il sera trop rapide. En réponse à une question d'un journaliste demandant à Georges s'il avait peur de la vitesse d'Ali, il dit qu'il n'est pas inquiet, qu'il n'est pas sur un champ de course. Georges s'entraîne à bouger sur le ring pour tenter de coincer son adversaire dans les cordes. À côté de cela, ses séances au sac de frappe sont incroyables. On entend des bruits sourds, venant une fois du crochet gauche, une fois du crochet droit. Quoi qu'il arrive, quand il a fini, le sac ne ressemble plus à grand chose quand il a été déformé. Et puis arrive l'accident. Un jour, à l'entraînement, le sparring partenaire de Georges est coincé dans les cordes et se protège des coups que lui donne le champion. Il essaye de se dégager, fait un pas de côté et remonte sa garde. Georges, voulant se rapprocher de lui, prend un de ses coudes dans le visage. Catastrophe. Il est ouvert au-dessus de l'œil et nécessite des points de suture. Le match doit être reporté. On ne combat pas pour un titre de champion du monde en commençant un combat avec une blessure. Branle pas de combat. La presse en fait les gros titres. Le match aura-t-il lieu Tout est remis en cause. Au final, ce sera un report de six semaines. Mais oui, le combat se déroulera bien, toujours au Zaïre. Mercredi 30 octobre 1974, Kinshasa, capitale du Zahir, ancien Congo belge. Stade du 20 mai, 4h du matin. Le peuple crie « Ali Boumaïe ». 100 000 personnes sont présentes dans le stade. Lors des consignes données par l'arbitre, les deux combattants au milieu du ring se font face. Ali gesticule de gauche à droite. Il parle à Georges, le défie autant du regard que des mots qu'il lui lance à la figure. En face, Georges est calme. Il ne cligne pas d'un œil et soutient le regard de son adversaire. Début du combat. La cloche a à peine sonné qu'Ali fonce vers le coin de son adversaire. Les deux boxeurs se jaugent avant qu'Ali ne lance son premier coup. Un enchaînement gauche-droite que par Georges. Ali sautit, préparant une attaque éclair. Face à lui, Georges le suit tranquillement, cherchant à le cadrer. Et puis, la première frappe touchant Georges arrive, un direct du droit d'Ali, trop rapide pour que Georges puisse l'éviter. Le direct du droit, c'est un coup qui fait autant mal physiquement que psychologiquement. Physiquement, bien qu'il puisse en encaisser des plus forts, ce direct, Georges le sent arriver sur son visage. Mais c'est davantage psychologiquement qu'Ali veut lui faire mal. À travers ce coup, il lui dit, Regarde, « Bien que ce soit mon bras arrière, je suis tellement rapide que tu ne vois même pas arriver mes coups. » C'est une insulte. Personne n'oserait faire ça. Déjà, parce que le risque de se faire contrer est grand. Ensuite, parce qu'on est sûr que ça va rendre fou l'adversaire. Et des coups comme celui-là, Ali va en placer douze durant le combat. De quoi bien énerver Georges. Immédiatement, Georges veut bloquer Ali dans un coin et lui assommer des coups de boutoir. Mais Ali est trop vif. Il semblerait que la stratégie d'Ali soit de frapper son adversaire d'un coup, puis de casser la distance en se collant à lui, l'empêchant de répliquer, de quoi énerver encore un peu plus Georges. La scène se répète plusieurs fois. Pourtant, à chaque occasion, Georges arrive à coincer Ali dans un coin et fait parler sa puissance. Fin du premier round. Les deux boxeurs vont chacun dans leur coin. Ali cherche du regard Georges, mais ce dernier l'évite consciencieusement. Deuxième round. La stratégie d'Ali est différente. Il laisse Georges l'amener dans les cordes, se protège et encaisse les énormes coups du Texan. Parfois, il arrive à lui en donner quelques-uns, mais clairement, c'est Georges qui marque des points. Ali, bien que se protégeant le visage, doit encaisser les coups au corps. Georges gagne facilement ce round. Le troisième round ressemble au deuxième. Ali est coincé par Georges dans les cordes et reçoit des crochets du gauche puis du droit dans les côtes. De temps à autre, Ali réussit à lui envoyer un direct et à se coller juste après à son adversaire. Quand c'est le cas, il prend la tête de Georges avec son gant gauche et colle sa tête à la sienne, on dirait même qu'il lui glisse quelques mots à l'oreille. Le public et les commentateurs en viennent à penser que le combat ne durera pas, Ali va finir rapidement par tomber sous les coups de Georges. Quatrième round. La fatigue commence à se faire ressentir. Ali est moins mobile qu'à la première reprise et attend son adversaire. Ce dernier, comme depuis le début, cherche à le coincer dans les cordes. Et tout d'un coup, Ali fait appel à sa qualité première, la vitesse. Il enchaîne droite, gauche, droite. Le public hurle. Georges est touché, surtout dans son orgueil. Il revient à la charge et veut punir cet affront. Mais il est moins rapide, moins précis et moins fort qu'au début du match. Et Ali répète cette stratégie. Quand il est au corps à corps, il se permet même de dire Alors, Georges, tu frappes pas plus fort que ça? T'as plus de force? Ou encore, Tu me déçois, mon Georges. À quoi tu joues Il faut que tu y mettes plus de force. Je ne sens rien, là. Qu'est en train de faire Ali A-t-il compris qu'il n'avait pas la force de son adversaire pour gagner le match et veut aller jusqu'à la décision du jury Un peu comme au foot, lorsqu'une équipe moins forte arrive à arracher le match nul et qu'en prolongation, elle réussit à tenir le résultat pour tenter sa chance au tir au but. Ce serait très dangereux comme stratégie. Au cinquième et sixième round, on voit bien que Georges est sur le déclin. Plus de force. La fatigue se lit sur son visage. Pour Ali, c'est le contraire. Il retrouve de la vigueur. Désormais, c'est lui qui arrive à enchaîner des combinaisons de coups. Il laisse venir à lui Georges et le surprend par sa vitesse. Le septième round n'est pas très spectaculaire. Comme depuis le début, Ali est dans les cordes et Georges veut frapper, mais il n'y arrive plus. Ses batteries sont à plat. Et puis, tout s'éclaire. Les longs footings d'Ali dans la ville ou le long du fleuve Congo lui servaient à travailler son endurance. Les dures et longues séances de sparring à encaisser les coups servaient à renforcer son corps. Les invectives d'Ali lorsqu'il était au corps à corps pour énerver toujours plus son adversaire, à le pousser à frapper encore plus fort. Et surtout la désinformation. Depuis des jours et des jours, il disait haut et fort qu'il serait tellement rapide que Georges ne pourrait pas le toucher. En vérité, il ne travaillait pas sa vitesse, mais sa résistance. Il reste 20 secondes avant la fin du huitième round. C'est le moment que choisit Ali pour accélérer. Il sort du coin où il avait laissé Georges le bloquer. D'abord un enchaînement gauche-droite, puis une double gauche, puis une droite, une deuxième, une troisième, un enchaînement gauche-droite. Georges est touché. Un deuxième enchaînement identique. Cette fois... La droite d'Ali fait chanceler Georges. Il ne sait plus où il est. Il titube. Ali a le poing armé, prêt à en rajouter s'il le faut. Georges s'écroule au sol sur le dos. La foule est en liesse. Le compte de l'arbitre a commencé. Un, deux, trois. Ali va dans son coin. Sagement, pour une fois. Il regarde son adversaire. Six, sept, huit. Georges tente de se relever, mais trop tard. Les dix secondes sont passées. Ali lève les bras, il a retrouvé sa ceinture de champion du monde. Ce combat de boxe, ce n'était pas juste un combat sur un ring, c'était une partie de poker menteur, une partie d'échecs, rondement menée par Ali. Donc, à tous ceux qui disent que la boxe est un sport de brute où le plus fort gagne, auront appris qu'ils se trompent. Le chaos, qui a mis au sol Georges, ne l'aura pas laissé simplement dix secondes dans le mal. Son mal-être durera deux ans. Deux ans. Durant lesquels il ne se remettra pas de cette défaite et qu'il le fera sombrer dans une dépression profonde. Étonnamment, cette défaite lui aura permis de se reconstruire une personnalité nouvelle. C'est devenu un homme très gentil, le plus gentil qu'il soit, et il jouit depuis d'une cote de popularité énorme aux USA. Le match terminé, ce sont des trompes d'eau qui s'abattent sur la ville. On aurait dit que la mousson venait célébrer la victoire d'Ali. Le lendemain, Ali est allé parler à des délégations africaines venues le voir. Il leur a dit Nous, afro-américains, nous ne vous valons pas. Certains d'entre nous sont très riches, mais nous n'avons pas votre dignité que vous gardez, même dans la pauvreté. Nous sommes des enfants gâtés qui avons perdu ce que vous avez su préserver. Conservez-le bien. Ce combat, aussi dur soit-il, ne fut pas le dernier d'Ali. Une autre rencontre, durant laquelle il dit avoir vu la mort de très près, fait partie de l'histoire de ce grand homme. Un combat qui est probablement le plus grand de toute l'histoire de la boxe. Cela se déroula à Mani, aux Philippines, un an plus tard. Mais ça, c'est une autre histoire.